Jean de l'Internet, j'espère que vous êtes tous magnifiquement bien aujourd'hui pour une vidéo de personne parce que je n'ai pas l'ami aujourd'hui, c'est bien, on est sur K-Faction MC, le meilleur serveur PvP faction du moment, les amis. Bien entendu, j'ai dit K-Faction MC parce que c'est le Twitter de notre serveur et on vient tout juste de passer les 2000 followers sur notre Twitter. On met des photos quasiment tous les jours, des updates, des concours, des trucs comme ça. Et d'ailleurs, le sujet de cette vidéo-là, ça va être le concours d'un avant-poste dans un coin de la Warzone. Donc, si vous savez pas, les amis, les avant-postes les plus cheatés, c'est ceux des coins parce que vous avez carrément le coin à vous tout seul. Et en plus, il y a un pont, donc vous avez le droit à 3 claims. C'est la seule, les seules factions qui ont le droit à 3 claims, c'est les coins. Parce que c'est considéré seulement comme 2 claims, mais le troisième, il est pas vraiment là. Donc par exemple, ici, c'est un claim, ici c'est un claim. Ici, c'est pas vraiment un claim. Ce que nous on fait gagner sur le compte Twitter du serveur, c'est le claim ci, le claim là et le claim ci. Donc vous allez avoir 3 claims. Si vous êtes chanceux, lors de l'unclaim des AP, vous pouvez aussi capturer un des autres coins. Donc il y a plusieurs coins, les amis, il y a 4 coins, mais faut pas oublier, comme vous voyez, il y a des ponts à chaque sortie aussi. Donc c'est plutôt OP. Et il y a aussi un autre côté qui va être vraiment OP. Ça va être ici normalement. Je crois que c'est ici le pont. Ouais, ici, ici ça va être vraiment beaucoup demander les premiers 3 AP ici de chaque côté. Ça va être beaucoup demandé, donc peut-être qu'on va refaire gagner d'autres AP. Pour l'enclin des AP, il y aura lieu, les amis, le 3 février à 16h. On a prévu faire un live stream de l'événement, donc je vais être en stream. Je vais essayer de voir aussi peut-être pour que QCOX fasse un petit stream aussi avec nous, ça pourrait être cool. Et d'autres youtubeurs, donc il y aura vraiment plein de gens lors du 3 février à 16h pour l'endgame des AP. Si vous avez envie de venir jeter un coup d'œil, vous avoir un AP gratuit, je vous rappelle que vous pouvez vendre vos AP ensuite pour des points boutiques et vous acheter un grade. Donc si vous arrivez, vous réussissez à claimer un AP, vous pouvez le vendre ensuite contre des points boutiques et avoir un grade tout simplement gratuitement. Donc ça, c'est ça que je voulais vous dire. Ensuite, les amis, oh oui, il faudrait que je vous parle de ça. On a rajouté le War Bank. Donc à la banque, les amis, vous avez maintenant accès à un PNJ qui va vous échanger vos points boutiques. Donc voilà, le banquier va vous échanger des points boutiques. Donc 2 pièces de 50%, 5 pièces de 100 points boutiques pour 500, 1 pièce de 100 pour 2 pièces de 50 PB, 500 pour 5 pièces. Voilà, si on est au cas que vous en avez besoin, tu vois, pour faire des échanges avec d'autres joueurs. Et sinon, ici, vous pouvez voir 200 points boutique pour une clé, donc c'est un peu moins cher que sur la boutique. Ensuite, on a aussi 300 points boutique pour une clé légendaire, donc c'est plutôt cool parce que les PB, c'est la seule façon pour l'instant que vous allez pouvoir les avoir, donc les échanger, etc. Donc c'est plutôt intéressant de faire des échanges avec les joueurs. Pour s'y rendre ici, comme j'ai dit, c'est Warp Bank. Et je sais pas pourquoi les PNJ se prennent toujours comme ça. On a fixé aussi le bug, plein de bugs dernièrement. Donc on a fixé énormément de bugs avec le shop. Tout a été fixé avec le shop. On a changé l'économie un peu vite fait des melons, etc. On a doublé ce genre de truc. On a aussi fixé un autre bug avec le shop ici. Donc les potions de heal n'étaient pas capables d'être achetées. Maintenant c'est fixe. On a d'ailleurs enlevé l'HDV vu qu'il y avait un bug de duplication. Pour l'instant l'HDV c'est slash AH. Pour l'instant temporairement. Le temps qu'on remette le truc sans le bug, quoi. Les enchères sont été aussi désactivées vu qu'il y avait aussi un bug avec les enchères. Sinon, on a rajouté, on a fait des modifications au jackpot. Voilà, le jackpot maintenant il se lance correctement. Et on a aussi corrigé le temple. Donc le temple, ça a été fait. Et si je dis pas de bêtises, les amis, normalement on devrait rajouter un kit DJ. DJ, je crois que c'est. On va rajouter un kit DJ qui va contenir plein de CD comme ça avec un jukebox où vous allez pouvoir jouer des musiques de votre choix. Je vais vous montrer un petit exemple. J'espère que je vais pas me faire copyright. Donc par exemple, vous mettez un CD, vous attendez quelques secondes et la musique elle rentre directement. Donc ça va être disponible, les amis, bientôt sur la boutique. Pour l'occasion, d'après moi, on va l'en faire caler sur le compte Twitter du serveur et sur mon compte Twitter personnel, donc IconsQC ou KFactionMC, vous allez pouvoir retrouver tout ça. C'est plutôt intéressant, les amis, parce qu'on travaille énormément sur KFaction en ce moment. À chaque fois qu'il y a eu un bug ou un petit problème, on a essayé de le fixer le plus rapidement possible. L'HDV, on n'arrive pas à... On a essayé de résoudre le problème de duplication, mais finalement, il est réapparu. Donc là, on a mis vraiment un plugin temporaire qu'on a trouvé sur SpyGut qui marche bien, qu'on avait déjà utilisé dans le passé avec iFactions. Donc pour l'instant, on a mis ce plugin là, mais dès que vous allez récupérer, donc on va remettre l'autre HDV, vous allez tout récupérer.
récupérer vos items dans le mailbox, slash mailbox. Donc ça, c'est plutôt intéressant. J'ai un dernier truc à vous dire aussi avant que ce soit la fin de cette vidéo. C'est vraiment une petite vidéo update aujourd'hui de Cofaction. Et puis aussi pour vous dire que l'unclaim des AP est ce week-end. Mais sinon, je voulais remercier Mini Revaro pour avoir fait le terraforming ici. Tout le terraforming, comme ça, vous n'allez pas avoir à miner des grosses montagnes, des trucs comme ça. C'est vraiment quasiment toute plate. Donc, je voulais remercier Mini Revaro. Je vais mettre son Twitter et son lien Planète Minecraft dans la description si vous voulez aller voir les travaux qu'il fait, etc. Il est en train de travailler sur des nouvelles maps, des trucs comme ça. Si vous cherchez du terraforming, ça coûte pas cher, les amis. Je pense dans les 15-20 euros. Et puis, vous faites tout votre truc le plus rapidement possible. Ça l'a pris à peine 10 heures, je pense, qu'il avait tout fait personnellement. Donc, voilà. Je vous espère sincèrement, les amis, que vous êtes hype pour cette petite mise à jour 2.1. Si vous voulez tout savoir sur la mise à jour 2.1 du serveur, il y a un post sur le site dans les actualités en bas. Vous allez avoir toutes les vraies corrections de bugs, etc. On va continuer à fixer les bugs, rajouter des trucs, etc. Au plaisir de vous faire plaisir, les amis de l'Interweb. Et puis sinon, je voulais aussi vous dire que je vous aime énormément. On approche des 30 000 abonnés, les amis. C'est un truc de malade. Si vous pouvez partager la chaîne avec un de vos amis, ça me ferait super plaisir. Et puis bientôt, on se retrouve en live. Ciao, ciao!